Bonjour, eh bien écoutez, je me présente, je m'appelle Lysiane Gast, je suis née dans les Vosges, je suis une pure Lorraine, je vis maintenant, après avoir vécu un petit peu à Nancy, je vis en Moselle, et j'écris depuis, peut-être mon adolescence, donc ça nous ramène à pas mal d'années. C'est une vraie passion chez moi, j'ai toujours adoré écrire, j'écrivais à mes copines, et puis après j'écrivais dans des blogs, et puis après j'écrivais des articles, enfin bon bref, c'est une passion l'écriture, et il n'y avait pas de hasard, je me devais, avec un peu plus de temps, ayant arrêté ma vie professionnelle, d'écrire quelque chose de plus important, pourquoi pas un livre. Donc voilà, je vais vous en parler tout bientôt avec Le papillon s'envole. En dehors de cela, je dirais que j'ai exercé plusieurs métiers, dont j'ai fini ma carrière en faisant du coaching de vie, l'accompagnement de la personne, ce qui n'était pas anodin après une carrière commerciale, je dirais en immobilier d'entreprise, différentes formations sur tout ce qui pouvait concerner son propre épanouissement et son propre développement. Mes passions... En dehors de l'écriture, je suis très créative, donc j'ai besoin de m'exprimer dans une forme d'art, c'est-à-dire je peins, je fais de la poterie. Une autre forme d'art, c'est que j'adore jardiner, j'adore aller me balader. La nature, c'est vraiment ma grande passion, en fait, parce que je me ressource, parce que j'adore observer, j'adore écouter. Quand je pars me balader, ce qui est quasiment mon cas maintenant journellement, mais je suis une femme heureuse, épanouie, parce que je me retrouve dans toutes ces natures qui nous racontent tant de choses. D'ailleurs, j'en parle pas mal dans mon livre. Alors, vous parler de mon livre, c'est un petit peu comme si je vous racontais l'histoire de mon troisième bébé. Ce fut un accouchement un petit peu compliqué, mais pas du tout dans la douleur, pas du tout, parce que j'ai adoré, mais vraiment adoré, et je me suis vraiment éclatée à travailler sur ce livre. Alors, mon livre s'appelle « Le papillon s'envole ». J'ai mis un petit sous-titre pour donner l'idée, bien que le titre était déjà relativement évocateur, puisque le sous-titre est « Itinéraire de résilience ». Alors, presque tout est dit dans le livre, dans ma couverture aussi, que j'ai voulu colorer, dynamique, représentant la femme. Enfin, j'avais déjà envie que quand on voit le livre, on se dise « Tiens, voilà, j'ai attisé la curiosité, qu'est-ce qu'elle nous raconte ?» Alors, elle nous raconte une vie, je vous raconte ma propre vie, puisque c'est autobiographique. Alors, en soi, raconter ma vie, si palpitante soit-elle, n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de vous raconter ma vie, mais sous un angle, je dirais, un petit peu particulier, puisque c'était de savoir ce que j'avais fait, entrepris, est-ce que j'avais fait des épreuves que j'avais pu rencontrer sur le chemin de vie, des épreuves lourdes, parfois extrêmement souffrantes, mais que j'ai transformées, que j'ai réussi ou pas d'ailleurs, parce que je raconte aussi mes échecs ou mes expériences négatives, comme je préfère à le dire. C'était raconter comment on se met en action, ce qui a été moi, ma façon d'agir, et pourquoi on se met en action. Et je partais forcément de quelque chose qui était très authentique, puisque c'était ma propre vie, donc c'était des faits. Donc voilà, c'est l'histoire de mon papillon qui s'envole, justement un peu comme une chrysalide qui tout d'un coup a chassé les nuages, comme je le dis avec un petit brin de poésie, si j'ose dire, et puis le papillon s'en est envolé. Alors, comment m'est venue l'idée du livre? Moi, l'idée du livre, je dirais, ça faisait une bonne dizaine d'années qu'elle était là. Je me sentais que j'avais besoin de dire des choses, je sentais que j'avais besoin de l'exprimer. Alors, je n'étais peut-être pas prête pour plein de raisons, parce que écrire sa propre histoire, ça demande d'être très au clair avec soi-même, d'être en paix aussi avec ces vieux démons là qui sont là parfois. Et bon, voilà, c'était pas le bon moment. Et puis un jour est venu ce moment, cette évidence,
J'ai travaillé, j'ai fait des cours d'autobiographie pour savoir comment construire vraiment un livre, pourquoi on le faisait, quelles étaient les intentions qu'on voulait déposer au travers de ce livre. Une fois que tout ça était très au clair avec moi, je me suis dit, c'est le moment, on y va, je laisse faire, et puis adviendra ce qu'il adviendra. Je ne suis pas peu fière aujourd'hui du résultat. Alors concernant l'inspiration, je ne vais rien vous cacher, c'était facile, j'avais la matière puisqu'il s'agit de ma propre vie. Alors tout le monde ne raconte pas sa vie non plus, donc justement il fallait que je lui donne un angle bien particulier, mais ça je l'avais défini très clairement dans ma tête. Je ne suis pas là pour régler des comptes, je ne suis pas là pour me montrer en mode exemple, je ne suis pas là pour... raconter des choses comme ça. Non, j'étais très au clair par rapport à ça. Et puis, de toute façon, ça venait tout seul. Parce que j'ai commencé à travailler sur mon livre il y a 2 ou 3 ans. Chaque fois que je partais en voyage, j'écrivais. Mes émotions étaient là, brutes, un peu comme ça, même acérées parfois, mais tellement, tellement, tellement fortes. Que j'ai eu envie vraiment à un moment que ça soit plus construit forcément, et l'arrivée du confinement m'a peut-être aidée là pour le coup. Ça a été positif pour moi parce que je me suis dit maintenant il faut que tu t'y mettes. J'ai pris tout ce squelette que j'avais construit, je dirais, et puis chapitre par chapitre j'ai travaillé ce livre, mais alors avec le dictionnaire des synonymes, j'étais vraiment, j'étais à fond, en plein dedans, quoi. Donc, j'étais très inspirée. Ce que je voulais, moi, c'est que ce soit construit, que ce soit facile à lire, que ce soit agréable à lire, qu'on ait envie de tourner les pages. Je suis une grande lectrice moi-même. Quand j'arrive pas à tourner les pages d'un bouquin, il y a un moment quelque chose qui ne me transporte pas. Donc je voulais garder ça. Donc les émotions que j'avais écrites au départ, parfait, parce qu'elles étaient là. Et puis après, il y a un vrai travail, vraiment, qui est très, très rigoureux, mais qui s'est imposé à moi sans une grande souffrance, parce que j'y trouvais beaucoup de plaisir. Et puis surtout, j'avais vraiment ce ressenti d'avoir quelque chose à dire, donc, et de l'exprimer le plus clairement possible en authenticité. Bon, avec un peu de drôlerie, parce que je suis pas un personnage trop sinistre en général, et puis avec beaucoup de sincérité. Donc je me suis dit vas-y, maintenant tu te lances, et puis continue, tu verras bien comment tu vas arriver à la fin, et comment les choses se sont enchaînées, et puis un jour c'était une évidence, c'était bon, il pouvait partir à la correction. Alors, la question est de savoir ce que je souhaite transmettre. Je dirais que, avant tout, ce qui a été vraiment mon leitmotiv au départ, c'était que j'avais vraiment envie de donner un message positif, c'est-à-dire la vie, elle est parfois pas simple, elle est parfois... il y a des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, il nous arrive des choses, et puis... qu'est-ce qu'on en fait? Comment on transforme ça? On peut totalement partir au fond de la piscine, comme je dis, à un moment. Chacun fait ce qu'il peut au moment où les choses arrivent. Mon objectif à moi, c'était, en mettant tous mes cycles de vie les uns après les autres, les événements de ma vie, je me suis rendu compte, au travers d'une simple feuille blanche d'ailleurs, j'ai travaillé comme un coach parce que c'était mon métier, et je me suis dit je vais chercher à identifier les choses et qu'est-ce que je peux en retirer, etc. À chaque fois, je me rendais compte que je m'en étais sortie bien, moins bien, tout ça... n'est pas dénué de souffrance et de difficultés, mais je m'en étais sortie. Alors, c'était ça vraiment mon intention de base, c'était dire, il arrive les choses, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis aussi, ma deuxième intention, c'est que j'avais des ressentis, j'avais des idées, j'avais des choses à dire, donc c'était aussi de pouvoir les exprimer sous un biais un peu drôle, comme ça, un petit peu caustique parfois, mais c'était aussi de dire ce que j'avais à dire.
Et puis, la troisième chose, c'était aussi le domaine des émotions. Alors, évidemment, je me suis dit, dans tout ça, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors, si ça peut susciter chez le lecteur des émotions et l'envie de pouvoir les exprimer, j'aurais gagné mon pari. Alors maintenant, avec tous les retours que j'ai, je sais que je l'ai gagné, ce pari, parce que combien j'ai eu de personnes qui m'ont dit oh, « Mais c'est dingue, moi je me suis retrouvée dans la campagne que vous racontez, d'autres me suis retrouvée dans votre amour de la nature, d'autres je me suis retrouvée dans oh, la vie, les amours, les emmerdes, enfin, etc. » D'autres dans cette façon. Et puis après, les gens me parlaient aussi de ce qu'ils ont ressenti. Certains m'ont dit, franchement, j'ai pleuré à un moment parce que oh, c'était dur. Puis à un moment, vous m'avez fait rire. Alors voilà, je suis ravie. Alors c'est vraiment ma plus grande joie aujourd'hui et c'est ce qui m'encourage d'ailleurs à reprendre l'écriture. C'est de me dire, bah, j'avais quelque chose à dire. Les émotions étaient là, elles sont entendues, elles sont écoutées, enfin, elles sont perçues du moins, elles sont ressenties. Puis pour le coup, elles sont retranscrites puisque les gens me témoignent de leur joie finalement d'avoir opté pour l'achat de ce bouquin. Alors voilà mes intentions, elles étaient là et puis bon, il y en a d'autres aussi, mais bon, elles étaient plus simples. C'est l'intention, c'est d'arriver à finir à écrire un bouquin qui fait quand même 400 pages. Donc il y avait quelque chose du domaine du challenge parce que j'aime bien aussi me fixer des défis. Ah ça, c'est un petit peu la question qui fâche pour moi. Non, je rigole parce que c'est pas du tout ça. Mais c'est parce que j'ai une imagination tellement débordante. Vous voyez, j'ai même du mal à prononcer le mot que je ne sais pas aujourd'hui vers quel chemin aller. Alors, j'ai déjà... oui, l'envie d'écrire, elle est là. De toute façon, je crois qu'elle ne me quittera plus. J'ai déjà les personnages, j'ai déjà l'idée. Je suis en train de construire quelque chose qui sera strictement rien à voir puisque ça sera beaucoup plus romancé. Au moins, comme ça m'ouvre un champ des possibles immense. Et puis, j'ai envie que ce soit aussi un livre un peu sociétal, c'est-à-dire que je vais parler aussi de notre monde actuel parce qu'il y a des choses qui me chagrine, des choses que voilà, donc que je perçois extrêmement jolies, et puis d'autres je me dis bon, je sais pas si on va y avoir à gagner, donc je veux aussi, ça va être un petit peu l'idée. Et puis je suis prise aussi avec un roman d'amour un peu rocambolesque, c'est le cas de le dire, donc tout ça va se mélanger. Moi je fais extrêmement confiance à l'écriture parce que parfois on part sur une idée et puis là on est en train de travailler et il y a quelque chose d'autre qui sort. Donc c'est un peu les balbutiements du prochain livre, mais je me fixe un objectif qui serait le printemps 2022, je fais reculer le temps, 2022, pour pouvoir l'offrir aux lecteurs, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit on en attend du prochain, donc là je suis obligée, il faut que j'y arrive quoi, donc voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi l'auto-édition ? Ben, peut-être me concernant, c'est une vraie envie de garder ma liberté. C'est un maître mot, je suis un électron libre et je l'assume. C'est-à-dire que j'aime bien comprendre tous les rouages. Là, en l'occurrence, j'avais envie de comprendre tous les rouages de l'écriture. Et l'auto-éditer, ça permet ça aussi quelque part, puisqu'on est totalement maître d'œuvre de ce qu'on est en train, évidemment, d'écrire, mais comment on va le distribuer, comment... Enfin voilà, on fait ce qu'on a envie de faire et selon ses compétences. Personnellement, comme j'avais déjà beaucoup communiqué dans le cadre de mon entreprise, je savais comment un peu... Enfin, on ne sait jamais tout, mais j'avais quand même de grandes lignes pour comprendre comment faire pour les réseaux sociaux, comment aller me présenter aussi chez les libraires, etc. Alors tout ça est très local parfois, mais j'avais besoin de cet échange-là et je me suis dit l'auto-éditer, ça va me permettre ça. Bon, le fait que j'étais aussi adhérente de l'APAC, qui est donc cette association qui aide et qui accompagne les auto-édités, c'était presque une évidence. Je me suis dit, j'ai vraiment l'envie de prendre des responsabilités dans cette association. Donc, bon, ça c'est l'avenir, je vous en parlerai peut-être l'année prochaine. Mais je me suis dit, c'est une évidence, tu restes en auto-édité pour l'instant et puis tu verras bien.
Et puis il y avait aussi, faut être franc et honnête, c'est pas si simple de trouver un éditeur, sinon ça se saurait. Donc de toute manière, il y a un moment, l'auto-édition, c'était presque, je dirais que c'est pas une seconde voie de secours, mais c'est la manière la plus simple, il me semble, aujourd'hui, quand on a envie de s'éditer, sans se freiner en se disant si je ne trouve pas un éditeur, c'est-à-dire que peut-être mon bouquin n'en vaut pas le coup. Alors ça, j'avais pas envie du tout de rentrer là-dedans. Et puis j'avais, oui, cette notion peut-être de liberté. C'est que je me suis dit, je vais arriver à peu près à maîtriser tout ce qui consiste à négocier avec un imprimeur, voir l'infographiste. Enfin voilà, j'avais quand même un peu la maîtrise des choses. Et pour ce livre-là particulièrement, j'avais vraiment envie de ça. Alors, le mot de la fin, eh bien, il se résume, il y a un mot naturel qui me vient, c'est le mot merci. Merci à tous les lecteurs qui ont acheté mon livre, l'ont lu, m'ont renvoyé plein de témoignages, tous plus émouvants les uns que les autres, tous plus chaleureux. J'avoue que franchement, j'avais un énorme sentiment de satisfaction, non pas de prétention, mais de me dire j'ai fait du bien, et ça, moi je trouve que c'est très important. Justement, le deuxième merci, je vais me l'accorder, sans narcissisme, et me dire t'as été capable de le faire. Voilà, le challenge n'était pas gagné d'avance il y a 3 ans maintenant, voilà, et le livre est sorti et édité, et il fait des heureux. Je suis assez fière de moi et suis assez contente de moi. Un troisième merci vient à mon entourage, oui, parce que sans mes fidèles amis et chaleureuses amies qui m'encouragent, qui encore aujourd'hui me disent « Allez, continue, on attend le prochain », peut-être que lorsque j'aurai eu des petits coups de mou, j'aurais peut-être pas réagi ou agi de la même façon, j'aurais peut-être pas poursuivi mon écriture. Donc merci les amis, merci aux futurs lecteurs. Et puis, eh ben, j'aurai un plaisir immense à vous présenter mon prochain livre, parce que, comme le dit la petite phrase consacrée, je n'ai pas dit mon dernier mot. À bientôt !